Il nous reste plus beaucoup de matchs, donc comme je dis, chaque match en moins nous rapproche du titre, donc là on n'est plus très très loin. Donc on sait que c'est aujourd'hui ça a été une victoire importante. Vous avez fait le métier ce soir, en ouvrant la marque rapidement, en gérant cette rencontre? Non, je pense même qu'on a fait un peu plus que le métier. On les a mis à mal et on a marqué tout de suite dès le début, donc je pense pas qu'ils s'attendaient à un tel début de match. Après, on s'est installé dans leur camp et on l'a maîtrisé pour ensuite, en deuxième mi-temps, gérer et tuer le match à la fin. Ça montre le sérieux aussi de tout le groupe là. Oui, le sérieux, le professionnalisme et l'envie d'aller au bout. Je pense que c'est un tout aujourd'hui. Alors maintenant, on est prêt pour l'exploit? On est toujours prêt. Après, comme j'ai dit la dernière fois, tout est possible dans le football et on va aller là-bas dans l'optique de se qualifier, donc on va tout donner. Kylian, est-ce que les rumeurs de votre transfert vous perturbent un petit peu ou pas du tout? Non, parce que je l'ai déjà dit, on a un objectif commun et j'ai vraiment envie d'obtenir un titre avec mon club formateur. Donc je pense que jusque-là, rien n'a réussi à me perturber et je pense que je vais terminer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Je pense que j'aurai 2 mois, 2 mois et demi pour faire le point sur ce que je vais faire. Donc non, ces rumeurs ne m'affectent pas. Mais tous les jours, on vous envoie dans un nouveau club. Alors en ce moment, c'est le même, là. Ces derniers temps, c'est le même. Mais ouais, c'est vrai que on m'envoie partout, un peu partout. Donc j'essaye de prendre du recul et de me concentrer sur la fin de saison. Pourquoi pas deux titres? Pourquoi pas? Vous avez tout dit, pourquoi pas? On va essayer d'aller à la Juventus. En essayant de faire tout ce qu'on sait faire. Après, si ça passe, tant mieux. Après, si ça passe pas, on va vraiment se concentrer pour vraiment assurer le titre de champion de France parce que c'est vraiment l'objectif numéro un du club. Et vous savez quoi? Vous savez faire quoi justement? Ah, on s'est attaqué avec la fougue, l'insouciance de la jeunesse. On va essayer de les mettre à mal et on va voir ce que ça va donner parce que c'est une bonne équipe, elle l'a montré au match aller. Faudra un cataclysme pour que vous ne soyez pas champion de France? Je pense qu'après tout ce qu'on a fait et le chemin parcouru, je pense que, bah oui, à partir de maintenant, ne pas être champion, ce serait une faute professionnelle.